Recherche de fuite due à une consommation excessive d'eau. Alors, on a coupé tout ce qui était alimentation dans la maison, donc à la vanne principale. Donc, on n'a pas de fuite, ce qui veut dire donc qu'on n'a pas de fuite sur le réseau extérieur. Après visualisation, on est ici dans le sous-sol où on a le chauffe-eau. Alors on va essayer de mettre un petit peu de lumière. Voilà. Donc là on a le chauffe-eau et on entend bien l'eau qui coule. On a le groupe de sécurité ici avec l'eau qui coule en permanence. Voilà, on voit très bien. Alors on a calculé, ça nous représente à peu près 2 litres minute. Voilà, recherche de fuite effectuée.